Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, le Samos Pita, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc sachez que c'est la deuxième partie de la bourse du Nebraska. Et comme je vous le disais, cette bourse, elle est vraiment intéressante, voilà. Et vous n'avez pas besoin de certificat de langue pour pouvoir postuler, voilà. Parce que lorsque vous allez postuler comme ça, vous allez signifier que vous voulez faire comme ça l'année de langue là-bas avant de pouvoir continuer à y étudier. Voilà, donc vous n'êtes pas vraiment obligé. Et les documents que vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse, ils sont tout à fait identiques, c'est-à-dire le passeport et tout ça. J'ai déjà fait une première vidéo. Donc si vous regardez en commentaire, vous allez voir le lien de la première vidéo. Vous allez suivre là-bas d'abord avant de pouvoir suivre ici. Donc c'était un peu ça. Et pour la première vidéo aussi, je vais mettre le lien de cette vidéo en commentaire, comme ça vous allez suivre. Donc je vais faire une vidéo pour ne pas que ce soit un peu plus long. On va aller plus rapidement, comme ça vous allez pouvoir suivre cette vidéo et postuler comme vous voulez. Donc les gars, c'était moi de Sam Hospital, et à tout à l'heure pour la seconde vidéo. C'est la deuxième partie, n'oubliez pas, il y a une première partie qui sera en description ou bien en commentaire. Allez-y voir d'abord avant de voir cette partie là donc on y va les gars. Et bien donc voici ça, nous sommes sur la deuxième partie. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, voilà, sachez que c'est Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors avant de commencer, essayez de me donner une pouce bleu. Si c'est la première fois que vous voyez ce site ou bien cette chaîne YouTube, essayez de vous abonner parce que vous ne serez pas dessus. Et si c'est la première fois que vous voyez ce site, sachez que nous avons déjà fait une première partie. Vous pouvez regarder en description ou bien vous allez regarder en commentaire. Je vais mettre le lien là-bas. Vous allez pouvoir aller d'abord vous inscrire avant de poursuivre vers ici. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, nous avons fait la première partie. Ici, c'est la deuxième partie. Donc, comme c'est la deuxième partie, cela signifie que nous avons déjà créé le compte. Voilà, on va donc ici, on va s'inscrire ou bien on va aller directement dans Sign In pour pouvoir mettre nos coordonnées qu'on avait créées. Voilà, pour pouvoir poursuivre à chercher notre admission. On avait déjà créé le compte sur le site. Après cela, on cherche l'admission. Et après l'admission, maintenant, vous pouvez commencer à parler de bourse. Voilà, donc moi, comme j'avais déjà enregistré mes coordonnées sur le site, voilà, donc ça vient automatiquement. Ça met déjà mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Donc là, je n'ai qu'à cliquer sur Sign In et ça me renvoie à l'endroit où je m'étais arrêté. Voilà, donc pour ceux qui viennent juste de nous prendre en compte, sachez que on a déjà fait une première vidéo et vous pouvez aller en description pour aller vérifier. Donc ici, nous allons remplir tout ce qui est là. Voilà, nous allons remplir tout ce qui est là avant de pouvoir submit et chercher à avoir une admission par rapport à l'étude de nos dossiers. Donc ici, je vais essayer de mettre en français, comme ça vous allez comprendre un peu comment ça se passe. Mais n'oubliez pas, quand vous remplissez, essayez de les remplir en anglais. Donc ici, deuxième prénom. Moi, je vais prendre des prénoms comme ça. Voilà. Ça c'est mon prénom. Deuxième prénom, c'est pas la peine. Le nom. Je mets ça. Voilà. Et le suffixe aussi. Ici. C'est qui? Monsieur Junior. Junior, senior, junior. Et sachez que c'est pas aussi important, n'oubliez pas. Ok, donc prénom choisi, c'est pas aussi. Prénom sélectionner la meilleure qui s'applique.
Ok, demandez-moi mes prénoms, il ou elle, pas de prénoms, utilisez mon nom. Ok, donc utilisez mon nom. Type de demandeur, type de demandeur, tout est là. Étudiant de première année ou bien étudiant de première année adulte, transfert, élève, si vous étudiez déjà là-bas, voilà, mais c'est pas votre cas. Voilà, donc on met étudiant de première année. Voilà, donc. Et de là, qu'est-ce qu'on va faire? On dit étudiant de première année, étudiant de moins de 21 ans, diplômé du secondaire qui fréquente l'université pour la première fois. Donc, déjà automatiquement, vous voyez un peu, ils vous ont déjà étalé ici hein, des critères. Voilà, pour pouvoir postuler, étudiant de moins de 21 ans. Donc, n'oubliez pas, donc si vous avez plus de 21 ans, c'est pas la peine de continuer parce que ils vont comme ça. Fais d'abord le tri en pensant à ceux de moins de 21 ans avant vous. Voilà, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas postuler, mais sachez que ça sera un peu compliqué de commencer par vous, même si vous avez un bon niveau d'études. Voilà, vous avez un bon dossier, ça sera un peu compliqué si vous avez 24 ans et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut continuer ici sur prochain. Donc, sur prochain, s'il y a un souci, ils vont vous dire, vous allez rectifier. Ok, ici on vient là, information personnelle, date de naissance, adresse. Donc, date de naissance, étant donné que je viens par exemple pour la licence, je vais mettre que je suis né comme ça le 26, ou bien je suis né en mars, ici l'année, je vais voir l'année en 2002. Voilà, je vais mettre 2002 comme ça va. Marié un peu ou 2003, voilà. Et mais ok, c'est bon, je crois. Donc, je vais changer 2002 date de naissance. On dit moins de 21 ans, moins de 21 ans. Dans les normes, je dois être né en 2000, je vais prendre 2005, 21 ans, 2005, 25. 2009, 2010, c'est quoi? C'est 15 ans. 2010 et 2021, c'est 11 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je vais prendre 2006. Mais, pour l'instant, ok. Si par exemple comme ça, c'est moins de 21 ans, alors la date qui va marier avec 21 ans, pour une personne qui a 21 ans, comme ça, il faudra être né en l'an 2000. Voilà, donc moins de 21 ans, moi je considère que je suis né par exemple en 2000, 2015, par exemple. C'est 2015, ça fait un peu chelou. Donc 2002. Donc je vais prendre comme ça 2002. Donc le 21 deuxième mois 2002. Voilà. Le mois, le jour. Ok, le mois, le jour et l'année. Donc le mois, deuxième mois, le jour 21 et 2002. Ok, donc ici, souhaitez-vous signer des noms antérieurs? Non. Voilà. Ici, sexe, c'est quoi? Homme. Ok. Ici, au prochain. Donc, on va aller au prochain. Donc, arrivé là, qu'est-ce qu'on fait? Pays. Ici, je vais. Information personnelle, date de naissance, partenaire. Ici, pays, Côte d'Ivoire. Ok. Et adresse 1. Adresse. Je vais mettre Abidjan. Vous mettez votre adresse. Voilà, moi je vais mettre Abidjan comme ça. Ce n'est pas un souci pour moi. Vous mettez votre adresse. L'adresse numéro 2, c'est pas un souci.
Regardez bien les éléments où il y a les étoiles, c'est ce qui est primordial. Voilà, la ville Abidjan. Ok. Province. Voyons voir. Des lacs. Ok. Et code postal, c'est pas un souci, mais vous pouvez mettre votre code postal. Voilà. Essayez de voir quel est le code postal que vous voulez. Et puis. Ok. Cellulaire. Numéro de téléphone. Plus 225. Numéro de téléphone non alternatif. Numéro de téléphone, etc. Plus 225. 44. Ok, vous voyez qu'ils ont mis réponse sont invalides. Donc, je vais enlever un peu de cela. Et 44. Numéro de téléphone alternatif. Si vous avez d'autres numéros de téléphone, vous pouvez les mettre. Voilà, c'est pas un souci. Adresse email utilisée. L'email, voilà. C'est mon mail qui est là. Donc, c'est pas un souci. On peut avancer. S'il y a un souci, ils vont vous dire, vous allez rectifier. Donc, c'est pas un problème. Ok. Et ici, information sur les premiers, sur les parents. Voilà. Donc, ici, le nom du père, si vous voulez, dans les familles. Et parents, ici, tuteur qui vit où. Vous allez mettre tout ça. Donc, si moi je prends par exemple le prénom du père, je vais prendre, et son nom de famille. Voilà. Et ici. Adresse du parent, tuteur. Adresse ici aussi, c'est Côte d'Ivoire. Ok. Et ici, la rue. Vous mettez ici la rue. Vous mettez ce que vous voulez. Ok. Ici, c'est pas la peine. La ville, Abidjan. Ok, le mail du parent, voilà, vous pouvez mettre le mail du parent et vous pouvez avancer. Si le parent n'a pas de mail, c'est pas un souci, voilà, mais vous pouvez mettre le mail du parent aussi. Donc s'il y a un souci, ils vont vous dire. Donc moi je vais mettre prochain. S'il y a un souci, ils vont me dire. Voilà. Ici, parent numéro 2, ce n'est pas un souci, vous pouvez laisser, vous pouvez avancer. S'il veut que vous remplissez, ils vont vous dire et vous allez les remplir. Donc ici, ethnie, origine, es-tu hispanique ou latino? Non. Sélectionnez une ou plusieurs des couleurs. Indien, asiatique, noir, afro-américain. Oui. Et ici, vous finissez, il y a prochain. Citoyenneté, statut du citoyen. Ici, citoyen américain, non américain. Indiquez votre langue, bon, non américain, pays de naissance, Côte d'Ivoire. Ville de naissance, Abidjan. Ici, statut
statut, asile résident permanent, statut étudiant académique, étudiant d'échange, étudiant académique F1. Statut profession permanent, asile accordé, étudiant académique. Ok, indiquez votre langue maternelle, éducation, votre langue maternelle, combien français? Souhaitez-vous fournir votre numéro de sécurité sociale? Vous n'en avez pas, donc non. Ok. La fournie du numéro accordé à des fins de vérification et de documentation, le numéro de sécurité sociale est requis de la déclaration, l'éligibilité à l'aide financière, financière nécessite votre numéro de sécurité sociale. Ça, c'est pas un souci. Une fois que vous allez postuler là-bas, vous allez avoir l'admission et ils vont vous donner un numéro de sécurité sociale, donc c'est pas un problème. Alors, avançons. Ok. Donc, ici, information complémentaire. Ici, comme ça, information complémentaire. L'un de vos parents est-il inscrit ou ancien élève, ancien du système de l'Université de Nebraska? Non. Étudiant, parent. Un étudiant de parent de génération est défini comme parent n'ayant obtenu son diplôme d'un établissement de 4 ans, quel est le niveau d'études le plus élevé de vos parents? Donc, parent 1, par exemple, comme ça, a quel diplôme? Diplôme associé à un baccalauréat. Un baccalauréat d'études secondaires ou supérieures en dehors des États-Unis, oui, et le parent 2 aussi. C'est pas la peine si vous voulez, vous mettez pas, si vous mettez ça. Comment avez-vous entendu parler de cette bourse? Vous allez mettre comme ça des réseaux, voilà, ou bien vous voyez un peu ici comme ça, voilà, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Ok. Donc, je prévois de terminer l'anglais à l'UEK avant de commencer mon programme d'études. Donc, vous comprenez un peu ici. C'est ce que je vous disais. Je vous disais que l'anglais n'est pas vraiment. Le certificat de langue n'est pas vraiment obligatoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment postuler, ils peuvent le faire sans certificat de langue. Donc, vous allez venir sur oui. Voilà. Et si vous venez sur oui, je passerai un examen d'anglais avant l'admission. UCA recevra mon score d'ici le 15 octobre pour le semestre de printemps, le 15 février pour le semestre d'été. Voilà. Donc, pour le semestre d'automne applicable au semestre. Donc, une fois que vous allez cocher oui, voilà, vous allez faire un cours en ligne et vous allez faire un examen d'entrée. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un certificat pour pouvoir postuler. Donc, ici, vous allez mettre comme ça, j'ai passé un examen d'anglais avant l'admission. Non. J'ai passé un examen d'anglais et le score officiel sera envoyé à Lucas. J'ai terminé l'examen à cette date. Ici, ce n'est pas la peine parce que vous avez mis non. Et arrivé là-bas que vous allez étudier d'abord la langue avant de pouvoir. Vous allez d'abord étudier la langue. L'anglais avant de pouvoir commencer le cours, donc c'est pas la peine de faire tout ça. Donc, ici on dit quoi? Pour quel mandat souhaitez-vous postuler? On va prendre pour printemps parce que automne c'est déjà passé. Donc, printemps 2022, c'est-à-dire vous allez commencer le cours en décembre, janvier. Voilà, donc vous savez déjà que si, même si vous avez l'admission, vous devez faire assez de documents, de papiers de visa et tout ça. Vous ne pourrez pas entrer pour l'automne 2021, donc vous êtes obligé d'attendre comme ça jusqu'en janvier. Ça va vous prendre peut-être 5 à 6 mois pour pouvoir régler vos problèmes de documents et de visa. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, printemps 2022, postulez à l'université à Mayotteville, inscription 6225 au total, avec 4385 étudiants de premier cycle. Ah, vous voyez que vous n'êtes pas les premiers. Il y a déjà des personnes qui ont déjà postulé aussi. Donc, majeur, ici, vous voulez postuler en quoi? Je vais faire par exemple l'informatique appliquée ici. Voilà. Si vous suivez des cours d'orthophonie ou des cours Montessori, veuillez choisir un des six. Non.
Ici, si vous vous intéressez à la comptabilité intelligente d'affaires, la finance, au marketing, la position veillée, sélectionnée, pas dire que rien, c'est pas un problème. Donc, prochain. Ok, donc nous sommes là, histoire de l'éducation. Lycée, avez-vous obtenu votre diplôme d'études secondaires? Oui, ici. Voilà. Et collège, indiquez ci-dessous le nombre d'établissements dans lesquels vous avez tenté ou vous avez suivi des cours, y compris le double crédit. Veuillez noter que le fait de ne pas divulguer les établissements fréquentés constitue une violation de code de conduite des étudiants de l'université et peut entraîner la révocation de votre admission si vous êtes admis. Le crédit militaire est considéré comme un crédit de transfert. Veuillez inclure le crédit. Nombre de crédits de collège que vous avez fréquenté, y compris les inscriptions actuelles et pour lesquelles vous avez du crédit. Ici, c'est pas vraiment trop important, vous comprenez. Une fois que vous avez cliqué que vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires, ce qui est là, c'est pas très important, mais ce que moi je vais vous dire pour que ça soit un peu dans les normes. Voilà, vous allez vérifier un peu le nombre de crédits que vous avez. Les crédits sont les coefficients. Ce sont les coefficients que vous avez eu, par exemple comme ça au collège. Tous les coefficients que vous avez eu au collège, voilà, vous pouvez les énumérer là. Maintenant, si vous ne savez pas comment est-ce que vous devez faire, vous pouvez énumérer seulement que les crédits de la terminale. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, pour ceux, par exemple comme ça, qui ont fait la licence, qui veulent aller faire le master là-bas, on sait très bien que les crédits vont de 120 à 180. Voilà, donc ça serait un peu à vous de voir comment est-ce que vous allez faire. S'il y a un souci, ils vont nous dire pour ne pas qu'on puisse aller au prochain. Pour ceux qui sont vraiment intéressés à postuler à cette bourse, voilà, vous pouvez me faire signe et je vais essayer de vous aider à pouvoir le faire. Donc je vais m'arrêter ici pour la deuxième vidéo et ensuite faire une dernière vidéo pour que vous puissiez pouvoir terminer et continuer après. Donc les gars, à tout à l'heure et à plus.